Hey, salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur My Hero Ultra Rumble. J'espère que vous allez tous très bien, point barre, ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve enfin pour le test de All Might. Bon alors All Might, je l'ai jamais joué encore pour le moment, puisque il n'est pas disponible en early game. Il faut avancer, comment dire, dans la licence pour le débloquer comme Bakugo, Shoto ou comme, comment dire... Comme les deux méchants, mais je n'ai plus, j'ai Mister Compress et je ne sais plus comment il s'appelle l'autre folding. Voilà, Himiko Toga, voilà, excusez-moi, j'ai des petits trous de mémoire sur les prénoms. Mais du coup les amis, on va tester le petit All Might. Alors apparemment, All Might il n'est pas si fort que ça dans le jeu, il peut faire très mal, mais il n'est pas si fort que ça, puisque comme c'est une méta projectile et ses projectiles vont pas très loin... il est compliqué à jouer parce que All Might c'est des coups de poing, donc il doit avoir un coup de poing, il doit avoir une sorte de création de tornade et puis une sorte de rush. Donc on va voir un peu ça dans le détail technique. Mais voilà, du coup, étant donné que je n'ai jamais joué All Might et je ne l'ai qu'affronté et qu'il est très peu présent sur les parties, bon, on verra bien si c'est fort ou pas, mais il y a moyen que je kiffe. Il y a moyen que je kiffe parce que ça va être à moitié de distance, à moitié de corps à corps. En fait, on va pouvoir faire plein de choses avec le personnage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir taper un peu à distance, mais on va pouvoir aussi taper au corps à corps. Moi, c'est ce que j'aime bien dans les personnages, un peu de versatilité. C'est-à-dire que quand le personnage est juste full distance et que tu peux pas, comment dire, quand t'as quelqu'un qui vient encore corps à corps avec toi, tu peux rien faire, bah c'est très chiant. Par exemple, quand on prend certains personnages depuis le début du jeu, qu'on a déjà testé, si on regarde par exemple Denki, enfin comment dire, Kirishima, il est super cool à jouer. Il est super cool à jouer, mais quand tu te retrouves contre des personnes en distance, tu peux rien faire. Comment dire, qui en a d'autres, Cimentos, c'est pareil. Je l'aime bien le personnage, il est sympathique à jouer. Mais quand t'es en distance, bah t'es pillé, ça sert à rien quoi, vraiment, véritablement. Si t'es building à building, ça sert à rien et t'as pas vraiment moyen d'y aller rapidement vers l'adversaire. Enfin, y a un peu moyen de tricher comme pas mal de personnages, mais c'est assez chaud. Donc voilà, pareil pour comment dire, pour plein de personnages, comment dire, celui où je l'ai plus vu, c'est Shigaraki. Shigaraki, c'est pareil, ça a un peu de distance, un peu de corps à corps, mais le problème c'est que faut pas trop que tu sois distance parce que s'il est en hauteur, bah ça sert à rien. C'est à dire que s'il y a une hauteur entre vous deux, tu peux pas le toucher. S'il y a un vide entre les deux, tu peux pas le toucher et t'as pas moyen d'y aller rapidement. Donc du coup, c'est assez chiant. Donc on va voir si pour All Might c'est le même cas et on va du coup regarder les stats. Alors All Might, du coup, il a 350 PV, ce qui est vraiment très très bien. C'est un type assaut, donc plus vous en avez dans l'équipe et plus la défense est forte. On en a deux, techniques, enfin actions spéciales pour le personnage, c'est le premier auquel je vois ça. On a transporté, permet de transporter un allié en état critique sur son dos. C'est exactement le même que Izuku, donc c'est extrêmement fort. Et on a le bon géant, permet de réaliser un bon géant et d'atteindre des hauteurs bien plus élevées qu'avec un bon normal. Ça c'est cool, c'est-à-dire qu'il a un escape, donc c'est plutôt cool. Le All Might, déjà rien que ça, je comprends pas trop pourquoi il est hors tier list, parce que rien qu'avec ces deux actions spéciales, il peut s'enlever facilement et il peut transporter les gens et les réanimer directement. C'est ultra fort. L'Alter Alpha, Texas Smash, attaque à distance qui consiste à créer une onde de choc avec un coup de poing. L'onde de choc disparaît après un certain temps. Il est possible d'enchaîner l'attaque en maintenant le bouton. Ok, donc à voir les dégâts que ça fait et la distance que ça a. Mais ça peut être plutôt fort, faut vraiment tester ça sur le tas. On a United State of Smash, donc ça c'est très puissant, ça crée une tornade, du coup c'est une attaque de mêlée qui consiste à foncer sur l'adversaire pour lui asséner une pluie de coups de poing. Et du coup le coup de poing ça crée une tornade qui envoie en l'air les adversaires. Ah non, c'est le deuxième, ok d'accord, excusez-moi parce qu'il y a deux techniques de tornade. Du coup c'est le Oklahoma Smash, une attaque tourbillonnante qui envoie valser les adversaires dans toutes les directions. Il est également possible de l'utiliser pour repousser les ennemis. Ok, donc il peut jouer un peu distance, il peut envoyer les ennemis au loin, il peut escape, il peut raise directement les persos, les mettre en, comment dire, les mettre safe. Bah pour l'instant le All Might il paraît quand même très très fort hein. Après avoir la distance, il me semble que le problème de All Might c'est la distance de ses coups qui est très faible par rapport à Izuku. À voir vraiment ce que ça donne. Dans tous les cas je pense qu'on peut plutôt pas mal s'amuser avec le perso. Bah écoutez les amis, on va le test directement en game. Alors du coup je suis obligé d'utiliser les ressources journalières de personnages pour tout simplement tester le personnage. J'aimerais bien, si possible, j'aimerais bien pas toutes les utiliser aujourd'hui pour ce personnage là, parce que potentiellement je vais encore l'utiliser pour des personnages aujourd'hui dans le tournage. Donc voilà, bon bah écoutez les amis, nous prenons All Might et puis on se retrouve bah une fois qu'on aura trouvé une game. Ok les amis, on se retrouve en game du coup, nous sommes avec une Himiko Toga et on est également avec une Tsuyu. Alors ils veulent aller dans la zone des déluges, c'est plutôt une bonne zone. Le coffre est ici, dans la zone des catastrophes maritimes. Donc à mon avis il y aura pas mal de monde dans ce secteur là. Après, en fait en gros il y a deux zones qui peuvent être bien prises, la zone des incendies et la zone des déluges. À voir, cette zone là c'est une des meilleures hein, pour drop ici. Mais on va voir, en espérant pas avoir trop de monde. S'il y a trop de monde, je pense que je... Enfin, ça dépend combien il y a de personnes. S'il y a juste une team, ça va. S'il y a plusieurs teams, je me casse. Ok, il n'y a qu'une team. Il n'y a qu'une team. Tout le monde est parti dans la zone des incendies. Ok. Du coup, il y a un Dabi qui s'est mis sur le côté. Ça sert pas à grand chose, Dabi, quand tu te mets loin de ton équipe. Ok. Ils sont directement là. Ok. Non, Froppy, je veux bien que tu me laisses mon loot, s'il te plaît. Merci. Merci. Faudra qu'on teste du coup son action spéciale pour voir un peu ce qu'elle fait. Ok. Il y a Froppy qui est devenu invisible. Ok. Hop. Amélioration. Ah non, c'est pas... Ok, d'accord. Je pensais que c'était la Froppy de mon équipe, mais non en fait. C'est absolument pas celle-là. Donc on va tout simplement se casser. Merci pour le sac. Et derrière moi. Allez. Attends, mais je veux fuir en fait. Allez. Oh que la Smash. Ah mais non. D'où j'ai pas réussi à sauter. Chou. Ok, bon le saut. Le saut est sympa, mais assez compliqué à positionner. Allez, All Might, casse-toi. Casse-toi, il faut que j'arrive à me mettre en hauteur. Non, s'il te plaît, grimpe le mur, merci. Faut que j'aille me mettre en hauteur pour boire quelques petites potions. J'ai eu un très mauvais start. Les amis. Je me suis laissé un peu influencer par le fait que je suis All Might, évidemment. Ils combattent une équipe. Ok, je bois ma potion et on y go. On va sauver la team, les amis. Watashina Kita. Ok, ça fait mal. Ça fait très mal, les amis. Watashina Kita. Ok, j'ai utilisé ma tank spéciale maintenant. D'accord. Allez, dégage. Attends. Hop, secourir. Hop. Comment on fait pour te descendre? Non mais oh! Comment on fait pour te poser? Ah voilà, ok, bon, c'est bon. J'ai pas compris comment poser, mais c'est pas grave. Ah, bah oui, d'ailleurs, j'ai déjà utilisé, c'est vrai. Je me suis trompé dans les touches en fait, tout simplement. J'ai des pouces bleus! Oui, j'ai des pouces bleus. Mister Compress. Venez vous battre! Ok, il s'est barré. Hop, gain d'alter. Et chou. Non, là-bas. Non, là-bas. Oh, mais... Mon dieu, ok, bon, c'est très compliqué à utiliser. C'est très compliqué à utiliser, le petit saut. Hop, petite potion. On se rajoute du shield. Ok. Parfait. Non, alors, s'il te plaît, la potion de shield. Hop. Il y a quelqu'un en bas. Il y a quelqu'un là, ici. Il y a quelqu'un par là tout à l'heure. Ok, donc elle s'est barrée. Très bien. J'ai déjà le même sac, ok. J'ai déjà ce sac là. Là le problème c'est que j'ai plus de... Comment dire? Non mais le jeu, arrête de laguer s'il te plaît. Merci bien. Non mais c'est pas possible. D'où tu lags comme ça le jeu? Non mais oh, je suis sur une Switch. C'est censé être une console extrêmement puissante quand même. Non? Je me trompe? Ok bon, je me ferme ma gueule. Bon, je pense que le bug a arrêté de mettre des gemmes quand il a vu que j'étais nul à chier. Ok. Allez hop. Let's go. Alors j'ai l'impression que les gens ont pas trop de loot par ici. Boum boum. Bam. Ok, il y a quelqu'un à côté de moi là. Ok. Chaud. Prends cher. Ah la vache! Non mais barre-toi! Chaud. Allez All Might, tu peux le faire! Ok, bon. On a réussi à se mettre en hauteur. On va pouvoir se... Ok, esquive. Esquive de la l'autre. Chou. Et en fait, on repart en arrière. Incroyable, non? Ok. Il faut qu'on y arrive. On va réussir à s'enfuir, les amis. Wouhou! Et... ok, parfait. Faut juste qu'on arrive à boire la potion, les amis, et ça peut le faire. J'ai pas baissé ma caméra. Je suis débile. Ok. Ah, non. Chou! Ok. Non mais... hop! Escape. Je pense que c'est mort, les amis. Ok, bon, il y a du monde. Ok, on a réussi à se mettre ici. Je pense pas avoir été suivi jusqu'au bout. Il y a moyen qu'on se mette un peu bien. Ok, bon. Cette partie, on va pas faire grand chose. Il y a encore cette team. On n'a absolument rien fait de la partie. Et on a été juste nuls à chier et on n'a pas réussi à faire nos combats. Je pense que c'est un bon résumé de la partie. Bonjour, monsieur. Même si je suis poursuivi, je suis All Might. Et je suis là pour vous sauver. Magnifique, merci beaucoup. Ok. On a le plus ultra, les amis. Donc on a totalement moyen de se remettre le shield proprement. Already. Perfecto. Ok, bon, mes mates sont barrés. Ils se sont dit, il n'y a aucune chance qu'ils win. Ok, bon. On a des jolis sauts avec All Might. Hein. On fait des jolis petits sauts de cabri. Ah, en fait, j'ai un tout petit sac avec All Might. J'ai pas ramassé de sac plus grand. Y'a plus que 6 teams. J'ai pas baissé ma caméra assez, mais en même temps j'étais un peu dans le feu de l'action. Il y a encore 6 teams, les amis. En étant tout seul, il n'y a aucune chance que je win. Du tout. Mais on sait jamais. Les amis. De toute façon, ça sert à rien que j'essaye de save mes potes parce qu'ils se sont cassés. Je les comprends pourquoi. Il va falloir... voilà, on va se cacher. Tu ne m'as pas vu le petit Izuku. Mais... ah, il y a son équipe. Je ramasse. Et je me replanque. Vous ne me voyez pas. Je suis un ninja. Ok, potion. Ça se bat à gauche, il y a du monde. On est presque full vie et on est full popo. Enfin full shield. Ok, il va falloir que je prenne une team derrière. Ok. Débile ce que je viens de faire. Kokoreo Warida. Merci beaucoup. Il y en a encore. Je suis débile! Elle est où la zone? C'est là-bas! Ok, il est où le Kirishima? Il s'est barré? Ok, c'est juste barré. J'ai gâché mon shield, enfin mon plus ultra. Donc c'est un peu le seum. Mais je crois que... non, j'ai plus de cartes. Alors ça se bat bien par là-bas. Je suis pas là. Je suis caché, il y a absolument personne. Ça se bat par là. Ça se bat par là, les amis. On va le faire en fufu. De toute façon, on peut rien faire d'autre que ça. Ah, il m'a vu. Boum. Non mais... Je suis All Might. Respectez mon autorité. Aïe, aïe. Boum. Ah mais non, j'allais faire mon saut. C'est ridicule. Je suis All Might, le numéro 1 des héros, je ne peux pas mourir comme ça. Oh l'enfoiré! Izuku, je t'ai entraîné! Espèce d'ingrat! C'était ridicule comme partie! Ridicule! Oh mon dieu! Mon dieu, mon dieu! C'était absolument ridicule, les amis! J'ai absolument rien fait de la partie! Ah! J'ai fait 2376 dégâts! C'est ridicule! C'est absolument ridicule, les amis! Je passe licence 4, ok. Ok, ok. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ma partie était totalement ridicule, mais on a quand même pu voir un peu les forces et les faiblesses du personnage. Même si, en très grande majorité, on a pu voir ma propre faiblesse personnelle. Alors du coup, un petit avis sur le personnage. Son escape... Et pas foufou. Par rapport à Bakugo, il est pas maniable. En fait, c'est-à-dire qu'il met un temps à s'utiliser. C'est-à-dire Bakugo, quand il escape, c'est instantané. Vous appuyez sur le bouton, Bakugo part directement en l'air. All Might, il a un petit temps où il se met une action et il saute. On a vu au tout début du combat, à un moment, j'ai voulu lancer l'escape et ils ont comme eu le temps de m'attaquer. Du coup, elle s'est pas lancée et je me suis retrouvé bloqué en bas. Donc c'est un petit truc à voir avec le personnage. Faut bien le placer. Faut bien le placer, tu peux pas l'utiliser si tu te fais mêler au corps à corps. Pour ces attaques à distance, en vrai ça tape plutôt loin, j'ai pas eu de problème de distance. Bah, après j'ai pas eu vraiment de combat à distance. Mais par contre ça fait mal, 75 par coup de poing, sachant que j'étais pas max. Ça fait des bons gros dégâts, surtout qu'en plus il en envoie 2. Donc c'est très très fort, je trouve en vrai. Même si bon, ça tape pas aussi lent qu'un Bakugo, mais si vous vous retrouvez à moyenne distance, ça va faire très mal. Ces deux autres techniques ont l'air de faire plutôt mal, mais j'en ai réussi à placer que une ou deux dans la partie, donc on n'a pas vraiment pu voir la force de technique là. Mais ça permet de se mouvoir un peu en l'air, donc du coup ça vous permet un peu de temporiser en l'air et d'essayer de vous en aller le plus loin possible des équipes. Alors du coup sa capacité de prendre les élèves sur son dos et de les raise, j'ai pas trop compris comment ça marche. En fait je l'ai pris et je pensais que je pouvais la reposer directement plus loin, mais en fait non, en fait j'ai juste pris et elle est redescendue une fois que c'était bon. Donc en fait je pense que tu la prends sur ton dos, tu te casses et une fois que c'est bon qu'elle est raise, tu la reposes par terre. C'est-à-dire qu'en fait le temps que tu mets de base à la raise au sol, bah, en fait tu la prends sur ton dos et tu peux le passer à courir. Donc ce qui fait que c'est plutôt fort comme Izuku. Donc voilà. Dans tous les cas, personnage pareil, personnage que je vais pas mal rejouer dans les vidéos plus générales on va dire, qui devrait commencer cette semaine. Puisqu'on a pas mal avancé dans les tests de perso, on est à peu près je pense à la moitié, on en a fait en tout. Je crois qu'on est pratiquement à une dizaine de persos faits les amis. Si on regarde un peu la liste, on a fait Izuku, Bakugo, Ochako, on a fait Todoroki, All Might, Ibarra, Eijiro, Cimentos, Tomura et Crematorium. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persos. Donc on est au 10e test. Et il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il nous reste 8 persos à tester les amis. Si je n'ai pas oublié. Donc on est à plus de la moitié. Donc logiquement, d'ici la semaine prochaine... Fin de semaine prochaine, début de semaine après, on devrait pouvoir avoir la petite vidéo tier list, du coup ma tier list personnelle, qui plus est je vais les tourner tout en avance, les derniers comment dire, là j'ai pas mal de temps de tournage, je vais tourner tous les derniers tests en avance. Et comme ça je pourrais avoir le temps de refaire des vidéos où je vais rejouer pas mal de persos en vidéo. Du coup sur des vidéos plus longues où il y a plein de parties différentes pour pouvoir étayer mon avis et surtout mieux les maîtriser. Donc voilà. Dans tous les cas les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. On est pratiquement, alors à l'heure où je tourne la vidéo on est 700. Enfin, on est 698, pardon, on est bientôt aux 700. Donc, si vous voulez vous abonner et me soutenir, n'hésitez pas, les amis. L'objectif, c'est les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais on ne sait jamais. Il suffit d'un élan de soutien de votre part, et les 1000 abonnés ne sont qu'à portée de main. donc voilà. Et bah, les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Si c'est Takane, allez, ciao!